Donc, nous allons passer à la deuxième partie de cette journée. We're going to pass to the second part of the schedule of the Agora of the Initiatives for Another World. Okay, we're going to wait to... everyone, please, get close. Donc, s'il vous plaît, rapprochez-vous ici pour qu'on puisse... Donc, merci à Stuart ici pour... donc, nous, ce qu'on va faire, si vous voulez continuer la discussion sur les luttes et les visions des peuples autochtones, on va pouvoir vous inviter à la tente à côté pour continuer les échanges. Dans l'autre côté, en fait, il y aura cette tente va demeurer ouverte pour les échanges, le réseautage, le travail, les discussions. So if you want to pursue the discussion of your discussion circle, we invite you to go to the other tent, where this tent will stay open for discussions, working, and networking between each other. Yeah. Donc, on vous invite à prendre place. On va placer des chaises pour manger. Et on invite ici en avant, sur le stage, des rapporteurs de chaque cercle de discussion autour du contenu des assemblées de convergence. Excuse me, I'm going to ask you please to quiet down. It's hard to speak when everyone is speaking in the tent. I know you have a lot of things to share, but we would love to explain to you the rest of the afternoon. Alors, s'il vous plaît, si possible, de baisser le ton de vos voix, s'il vous plaît. Merci. Thank you. Okay. Juste pour commencer, la tente là-bas va rester ouverte pour que vous puissiez continuer vos discussions. The tent over there is open if you want to discuss. La tente ici, on va privilégier l'écoute. Donc on va avoir des gens qui vont venir sur la scène pour présenter leurs initiatives et leurs actions. So on this stage, we'll have people that will come and present their initiatives and actions. So we would please love to have a silence in this tent. Este espacio va a ser utilizado como un espacio de expresión. Entonces, les invitamos, si ustedes quieren continuar las conversaciones, ir al otro lado, al espacio del otro lado, donde va a ser un espacio más para discusiones informales. Así que, para que podamos respetar los diferentes espacios y lo que estamos haciendo. Gracias. Parce que c'est ça qui est incroyable. Et il faut lui demander de venir. Can you just go the other side because I'm just streaming there too. So I have no back in my streaming. I'm live streaming as well. Are you live streaming? Yeah, but you can go. What? It depends. Are you live streaming? Yeah, I live streaming right now. From way over there? With my computer. Oh. Thank you.
juste vous rappeler les objectifs de ce qu'on va faire cet après-midi. C'est de partager avec l'ensemble des participants les différents plans d'action, les propositions d'initiative qui ont émergé des discussions, des assemblées et qui ont été reproduites dans les cercles de discussion tout à l'heure. Donc dans les 22 cercles de discussion. Et c'est orienté vers la méthodologie totale de ce forum qui est de passer de la réflexion à des propositions d'action concrètes qui permettront de construire un calendrier à partir duquel qui sera reproduit sur notre site web, qui sera partagé mondialement et qui permettra aux citoyens du monde entier et aux organisations et mouvements du monde entier de s'engager dans les actions concrètes. So just a reminder, what is the objective of the plenary session that will open very soon? Is all these discussion circles were the continuity of the convergence assemblies that happened during the week of the World Social Forum. So today what we will ask for each discussion circle is to send a reporter on stage to present or two, to present to you, everyone here, the initiatives and the actions in a time frame, ideally with a contact person, so that everyone here can commit to an action or an initiative or a campaign as of today after this plenary session. So, l'objectif est donc d'avoir un point de vue d'ensemble sur les actions proposées à l'issue de ce forum par les gens qui ont participé à ce forum et qui sera éventuellement repris dans d'autres forums sur les différentes thématiques. On va commencer en invitant les animateurs d'assemblées de convergence et de cercles de discussion et ensuite on va continuer en donnant la parole aux groupes et organismes qui proposent des initiatives qui n'ont pas obligatoirement été présentées dans ces assemblées. So first of all, we're going to start with the convergence assemblies reporters, and after once we made through the 22 assemblies, we will go to other initiatives that are not necessarily converged within an assembly. So if you're a group, you're a collective, or even if you're an individual or a citizen that have an initiative to propose, you will have time after the discussion circle to present it to us. Donc la procédure, on va appeler à chaque fois, la personne va venir ici, va présenter le plan d'action pendant 5 minutes et ensuite va inscrire sur le calendrier qui est collé sur le mur les différentes dates et points de rendez-vous s'il y en a, qu'on va colliger et partager ensuite sur notre site web. So what we will do, we will call one at a time. Each group will have 5 minutes. Unfortunately, it's very short. We will have to cut you after 5 minutes because we want to leave space for everyone to speak. We remind you to please keep this space a safe space for everyone. So just take attention to your voice tone and feminize your intervention, please. Donc on va commencer avec les 11, la première série de 11 assemblées de ce matin qui ont commencé à 10h, et on va commencer par les représentants de l'Assemblée ou les porte-parole de l'Assemblée sur le droit à l'éducation. So we will start with one of the assemblies of today. It's very random, and it's going to be the right to education. I will remind you that the tent over there is open for discussion, so if you want to network and talk, go there, and here we please ask you to be silent by respect with the person speaking here. Donc s'il vous plaît, je vous rappelle que cette tente ici, on voudrait qu'elle demeure silencieuse. Si vous voulez discuter, échanger, converger, on vous invite d'aller dans la tente à côté, simplement pour rester respectueux et respectueuse de nos intervenants sur la scène ici. Merci. Alors, merci beaucoup. Nous sommes ici, comme le mentionnait la présentatrice, pour présenter les grandes lignes du plan d'action qui s'est dégagé de l'espace éducation, donc ce qu'on a entendu. Ce sera fort incomplet, mais ça peut donner une idée des débats que nous avons eus.
So I'll start by saying that we won't be able to translate the whole thing. We don't have the personnel to do that. The document will be available on our Facebook page, so it's easy to find Education Zone. And no habla español. Avant de présenter le plan d'action, on a cru bon à l'espace éducation de nommer les facteurs les plus importants qui entravent le droit à l'éducation. Donc, les politiques d'austérité qui restreignent les services et l'accessibilité géographique et financière à l'éducation scolaire et extrascolaire. Les pressions des entreprises et des gouvernements pour soumettre l'éducation aux besoins des entreprises. La tarification de l'éducation, l'appauvrissement des curriculums, la marchandisation et la commercialisation de l'éducation et des savoirs. La standardisation des contenus, des modes d'enseignement et des processus néolibéraux d'évaluation internationaux. L'obscurantisme et la dévalorisation des savoirs scientifiques. La persistance des stéréotypes et des discriminations fondées sur le genre. Les performances, la concurrence, l'individualisme, la dévalorisation de l'école et de la profession enseignante et les injustices fiscales. Trois thèmes ont guidé généralement le plan d'action. Le premier thème étant l'accessibilité, l'équité, la gratuité et l'inclusion. Le deuxième thème étant la mobilisation, les alliances, la solidarité et la diversité. Et le quatrième thème, la réappropriation des enjeux en éducation pour une intensification de l'échange d'informations, de partage des stratégies et de la coordination pour créer une plus grande mobilisation sociale autour de l'éducation. Les actions concrètes sont, au Nord, prendre part à la lutte du 15 $ du salaire minimum pour permettre, entre autres, aux étudiants et aux plus démunis une plus grande autonomie et une qualité de vie dans leur apprentissage. Organiser des États généraux en enseignement supérieur au Québec en invitant la société civile à y participer. Diffuser et reprendre le communiqué pour la paix en Colombie. Dénoncer les arrestations et les congédiements arbitraires en Turquie en demandant le retour à la démocratie. Participer à la Journée mondiale contre la pauvreté du travail scientifique en enseignement le 15 décembre 2016. Recenser les fondations et les entreprises pour contrer la philanthropie dans la perspective de les exclure de l'éducation. Prendre part aux luttes globales contre la marchandisation de l'éducation le 15 octobre 2016 dans le calendrier d'attaque. S'inscrire dans les grandes campagnes de protection des services publics et des luttes contre les politiques austéritaires. Demander au gouvernement de rendre des comptes en matière d'aide internationale à l'éducation. Participer aux actions coordonnées contre les traités et les accords de libre-échange et revendiquer qu'on exclue le secteur de l'éducation et finalement boycotter les évaluations néolibérales internationales dans le respect des contextes nationaux. Merci beaucoup. Good. On va prendre en avançant. We're going to learn while we're doing it this. We realize that people that don't understand French cannot follow if the people here speak in French. So we're going to try to self-manage ourselves collectively and create a whisper translation system in this crowd. So I don't know if somebody here can translate. Here, there. You can translate that in there. So if you want an interpretation, please stand up, look at those people there, here, thank you, marvelous people. Can you please go and manage yourself to be able to understand what's happening? So create a circle there of whisper translation. So French to English there. So, marvelous. Okay. Portuguese, if you want Portuguese translation. Alors, ceux qui veulent la traduction, anglais, English, Portuguese, there, Spanish, Espanol.
Donc on va laisser un petit quelques minutes pour que vous organisez. We're gonna leave a space for you to organize the whisper translation between each other. Et en attendant, j'inviterai les représentants de la santé de convergence, marchandisation, lutte à l'austérité et à risque. So I invite, meanwhile, the representation of the Assembly of Convergence on commodification, struggle against austerity, to prepare themselves. On a traduit en trois langues. Nous allons procéder donc ici à la présentation aux résultats des travaux qui ont été. Ouais. Il faut avoir un peu de silence, s'il vous plaît, qu'on puisse s'écouter. Bien. Donc, je disais, donc, à l'issue donc, des travaux qu'on a conduits donc, à travers les différents ateliers et les deux assemblées de convergence, donc, qui ont permis de nous mettre ensemble donc, toutes les thématiques, toutes les analyses que nous avons partagées durant ces journées du forum. Nous avons donc procédé ici à l'écriture d'une déclaration. Elle a été rédigée donc, en français, validée ce matin donc, par les membres ici qui ont assisté à l'Agora. Et on a fait l'effort de le traduire en anglais et en espagnol dans un temps imparti qui était forcément limité. Donc la version française sera la version définitive. Par contre, la version anglaise et la version espagnole sont des propositions de traduction qui auront le mérite voilà, de donner à tous la possibilité d'accéder aux propos qu'ici on va tenir. Donc, je vais procéder ici à la lecture, dans un premier temps, à la lecture en français. Donc, les services publics, notre bien commun, notre richesse. Forum social mondial 2016, déclaration des mouvements sociaux sur la marchandisation, l'accès aux services publics et la lutte contre l'austérité. Les services publics et ses agents sont au cœur d'enjeux d'intérêts généraux considérables. Les attaques orchestrées par les gouvernements au service de la finance et portées aux services publics n'ont pour but que de réduire l'intervention publique et la mettre au service des intérêts du capital. La marchandisation des services publics a pour conséquence de remettre en cause certains grands principes du service public, à savoir sa neutralité, son indépendance et sa transparence, sa finalité au service des populations, son financement solidaire, son contrôle démocratique, son accessibilité et son universalité, sa qualité et son efficacité. Elle y dégrade également fortement l'emploi et les conditions de travail des agents. La fonction publique, par le contrôle citoyen, est l'outil démocratique de réponse aux besoins fondamentaux et au bien-être des populations qui doivent impérativement être préservés de toute logique marchande. Excusez-moi. La maîtrise publique doit garantir l'égalité d'accès à tous les services publics. Pour répondre à l'intérêt général, celle-ci doit être essentiellement entièrement assurée, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de la protection sociale tout au long de la vie, de l'eau, de l'environnement, du logement, de l'énergie, des médias, des services postaux, de la recherche, de la justice, de la fonction publique. Le capital et les multinationales cherchent à s'accaparer les activités des services publics
pour élargir leurs profits, notamment à la faveur des traités internationaux et des dispositions fiscales qui leur sont favorables. La finance, avec la complicité des gouvernements, a imposé au peuple des mesures d'austérité qui aggravent les inégalités et précarisent une part toujours plus croissante de la population. Nos axes d'action retenus. Les organisations s'engagent à médiatiser et promouvoir largement la présente déclaration. D'une part, il est essentiel de redonner au sein des opinions publiques une conscience de l'importance des services publics, de leur rapport en termes de bien-être collectif et à partir de là, la volonté de les défendre. D'autre part, il faut imposer une justice sociale qui passe inévitablement par une justice fiscale. Nos propositions d'action concrètes. Il convient d'amplifier la lutte contre les traités bilatéraux et multilatéraux de libéralisation du commerce et des investissements. Les négociations en cours constituent une opportunité importante de coaliser les forces. Dans ce sens, les participants appellent à s'inscrire dans les actions coordonnées prévues par les autres convergences ayant un lien avec les traités. Enseignement, santé, extractivisme, environnement. Notamment par des journées d'action dans chacun de nos pays. Ils soutiennent les initiatives sectorielles telles que la lutte contre la commercialisation en santé, dans l'enseignement, la culture, les médias, l'eau, le transport, le service postal. De même, les participants appellent chaque organisation à échanger pour coordonner les mots d'ordre, les outils et les actions pour la restructuration ou l'annulation des dettes publiques. À s'inscrire dans toutes les formes de lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Pour ce faire, les participants s'engagent à développer, partager, coordonner et amplifier des campagnes de sensibilisation tenant compte des spécificités de chaque pays. En vue d'une mobilisation coordonnée entre le local et le global, le sectoriel et le général, nous appelons à partir des préoccupations sectorielles, locales, spécifiques, les plus susceptibles d'amener à la mobilisation et à l'action. De viser ensuite à une prise de conscience des mécanismes globalement en œuvre en matière de commercialisation des services publics. Les participants appellent les mouvements sociaux en lien avec les citoyens à des actions internationales pour la défense de leurs services publics, notamment les 7 avril 2017, Journée mondiale de la santé, en développant une journée d'action contre la commercialisation de la santé, et enfin le 23 juin, à l'occasion de la Journée mondiale des services publics. Merci. Los servicios públicos, nuestro bien común, nuestra riqueza. Polo social mundial. ...2016... Declaración de los movimientos sociales sobre la mercantilización, el acceso a los servicios públicos y la lucha contra la austeridad. Los servicios públicos y sus empleados están en el centro de los desafíos de interés general. Los ataques orquestados por los gobiernos al servicio del sector financiero y dirigidos hacia los servicios públicos tienen el objetivo de reducir la intervención del Estado y ponerla al servicio de los intereses del capital. La mercantilización de los servicios públicos pone en duda algunos de sus grandes principios. Su neutralidad, su independencia y su transparencia. Su finalidad al servicio de la población, su financiamiento solidario, su control democrático, su accesibilidad y su universalidad, su calidad y su eficacidad. La mercantilización degrada igualmente a los empleados y las condiciones de trabajo de los agentes. La función pública, mediante el control ciudadano, es la herramienta democrática de respuesta a las necesidades
fundamentales y al bienestar de la población que debe imperativamente ser preservada de toda lógica mercantil. El Estado debe garantizar la igualdad del acceso a todos los servicios públicos. Para responder al interés general, debe ser completamente asegurada notoriamente en los dominios de la salud, de la educación, de los servicios sociales, de la protección social, para todos los grupos de edad. Debe proteger el acceso al agua potable, el medio ambiente, la vivienda, la energía, los medios de comunicación y de información, los servicios postales, la investigación, la justicia, la función pública. El capital y las multinacionales buscan acaparar las actividades de los servicios públicos para aumentar sus ganancias, notablemente en favor de tratados internacionales y de disposiciones fiscales que les son favorables. El sector financiero, con complicidad de los gobiernos, ha impuesto a los pueblos medidas de austeridad que agravan las desigualdades y precarizan una parte creciente de la población. Las líneas de acción retenidas. Las organizaciones se comprometen a mediatizar y a promover ampliamente la presente declaración. Por una parte, se debe crear en la opinión pública una conciencia sobre la importancia de los servicios del Estado, de su aporte en términos del bienestar colectivo y, a partir de ello, la voluntad de defenderlos. Por otra parte, es necesario imponer una justicia social que pasa inevitablemente por una justicia fiscal. Proposiciones de acciones concretas. Es conveniente amplificar la lucha contra los tratados bilaterales y multilaterales de liberalización del comercio y de las inversiones. Las negociaciones en marcha constituyen una oportunidad importante de unir fuerzas. En ese sentido, los participantes convocan la participación y acciones coordinadas previstas por otras convergencias que tienen un vínculo con los tratados: educación, salud, extracción, medio ambiente, etc. Notablemente por los días de acción en cada uno de nuestros países. Dichos días sostienen las iniciativas sectoriales como la lucha contra la comercialización de la salud, en la educación, la cultura, los medios, el agua, el transporte, el servicio postal. De la misma manera, los participantes convocan a cada organización a intercambiar opiniones para coordinar las reivindicaciones, las herramientas y las acciones para la reestructuración o la anulación de las deudas públicas, a inscribirse en todas las formas de lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Para ello, los participantes se comprometen a desarrollar, compartir, coordinar y ampliar campañas de sensibilización que tengan en cuenta la especificidad de cada país. En vista de una movilización coordinada entre lo local y lo global, lo sectorial y lo general, convocamos a partir de las preocupaciones sectoriales, locales específicas, las más susceptibles de promover la movilización y la acción. Asegurar la toma de conciencia global al respecto de los mecanismos en marcha en materia de la comercialización de los servicios públicos. Los participantes convocan a los movimientos sociales en vínculo con los ciudadanos en acciones internacionales para la defensa de sus servicios públicos, notablemente en el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, declarar un día de acción contra la comercialización de la salud y recordar que el 23 de junio, el Día Mundial de los Servicios Públicos. Traducción para los dos. Gracias. Luis,
anyone here need the English translation of this? Because you were installing yourself? Okay, so because we didn't, we were installing the Western translation system, we're going to let them read it in English. But after that, we will do it in one language, only with the Whisper translators here. Alors, que juste pour celle-là, on va laisser monsieur lire la traduction en anglais, vu que le système de traduction en chuchoté n'était pas installé. Mais après celle-là, ce sera en une seule langue pour le reste des informés. Merci de votre compréhension. Public services are common wealth. World Social Forum, Declaration of Social Movement, concerned about marketization, access to public services, and the fight against austerity. Public services and their employees are at the heart of public interest issues. Government-backed ASSO on finances carried on the public services are designed solely to reduce investment in public services and serve the interest of capital. The marketization of public services threatens several key principles of public service: its neutrality, independence, and transparency. Its goal to serve the people. Its collective financing. Its democratic control, accessibility and universality, its quality and effectiveness. It also strongly undermines jobs and people working conditions. Civil services directed by the people is the democratic tool to meet basic needs and well-being of citizens. It must absolutely be protected against any market logic. All citizens must have guaranteed equal access to public services. In order to respond in the public interest, this must be specially guaranteed in the areas of health, education, social services, lifelong social security, water, environment, housing, energy, media, postal services, research, justice, the civil service. Capital and multinational corporations seek to take over public services to enhance their profits using international trade agreements and tax rules that work in their favor. Finance, with the complicity of government, has imposed austerity measures which aggravate inequality and makes more people precarious. Ideas for action. The organizations commit to broadly publicize and promote this declaration. On one hand, it's important to revive in the public consciousness a sense of the importance of public services and their contribution to collective well-being and hence the will to defend them. On the other hand, we must have fair taxation in order to attain social justice. Proposals for concrete action. We must expand our fight against bilateral and multilateral sea trade and investment agreements. Ongoing negotiations give us an opportunity to join forces. In line with this, participants are called on to join the coordinated action related to the treaties planned by other convergences, education, health, extractivist, environment, especially through days of action in each of our countries. Support sectoral initiatives
such as the fight against commercialization of health, education, culture, media, water, transportation, postal service. In addition, participants call on each organization to coordinate best strategies, tools and action to restructure or cancel public debt, join all forms of struggle against tax evasion and tax havens. To do this, participants commit to develop, share, coordinate and broadcast awareness campaigns taking country-specific needs into account. In order to coordinate mobilization between local and global, sectoral and general, we call for, starting with those sectoral concerns and specific places that are most likely to lead to mobilization and action, then generating awareness of global mechanisms that promote commercialization of public services. Participants call all social movements and citizens to join international actions to defend their public services, especially on April the 7th, Global Health Day, to contribute to a day of action against commercialization of death, and June the 23rd, World Public Service Day. Thank you. Merci beaucoup aux traducteurs, thanks a lot for our translation. Merci. Donc, comme je vous dis, on apprend en cours de route. We're learning as we are going by. So we have put here a volunteer. Thank you. On a mis ici une volontaire qui va faire le temps pour les présentations. She will do the timing for the presentation. So when you are on stage, please check Madame here that will turn the time as it goes. And once the 5 minutes is passed, we will have unfortunately to cut you. Donc pour le temps, Madame ici va faire tourner les minutes. Et une fois que les 5 minutes est passé, nous allons devoir vous couper simplement pour donner la parole à tous et toutes ici présentes. Donc, I will remind, we have a whisper translators. So for English translation, please go see our two friends here. Well, there are 3, 5, 10 friends for translations. Thank you. Pour la traduction en français, est-ce qu'il y en a qui en ont besoin? D'accord, donc est-ce qu'il y en a qui font la traduction vers le français? Oui, levez la main. Bon, ça ne semble pas être... Pour la espagnol, para la traducción en espagnol. Para espagnol, traducción es aquí. Parfait. Donc, je vais lire la liste des prochains reporters pour que vous puissiez vous préparer. Donc, on va y aller avec défense de la démocratie, ensuite migration, ensuite campagne BDS, et après ça, militarisation, paix et réfugiés qui est allumée à aussi l'élimination des armes nucléaires. Donc, c'est les prochaines pour les prochaines minutes. Donc, je vous laisse avec les reporters de l'Assemblée défense de la démocratie pour. Merci. We discussed about this subject from the other meetings, and so. And so we made a summary of the proposals to be right directly. We have only 5 minutes to do that. And so many institutions were represented in the meeting, in the Agora. And so the first proposal was introduce the theme personal transformation, social transformation in a permanent fashion in the World Social Forum agenda. Introduce the practice of solidarity market of used goods using social currencies
of different countries during the next editions of the World Social Forum. Establish the third one, establish a network of networks to launch a constituent process of planetary citizen power based on the Paris Pledge, named Citizens of the People of the Earth, People of the Earth. Let us create our own power, launched at the COP21 in Paris by the Dialogues in Humanity Network. This document is in the website of the World Social Forum this year in 5 languages, but it's already translated to 12 languages. The fourth one, in the 2017 edition of the World Social Forum, improve the use of alternative communication media and social networks. Fifth, create an open World Social Forum work group to follow and share information about dictatorship in every continent. Sixth, create an open World Social Forum work group to study alternative forms of citizen representation and of combining representative and direct forms of democracy. Seventh, that the World Social Forum promote education and interconnection between intentional communities like eco-villages, eco-districts, and the transition towns, the empowerment to manage their own development and control their own energy and resources in solidarity with each other. 8. Promote and support critical and liberating popular education at public education networks in all countries, in opposition to policies that restrict teachers' freedom of thought and expression. 9. Organize a Pan-African forum to strengthen the struggle against racism, and organize other forums focused on other forms of racism, overcoming gender inequality, rights of autochthonous people, migrants, and others. And the last one is the political recognition of the democratic autonomy in Rojava in northern Syria and Bakum in southeast Turkey in the occasion of the World Koban Day in November 1st, 2016. Thank you. Merci, thank you. Please also, just for the benefit of the interpreters, talk slowly so they can have the time to translate. S'il vous plaît, pour aider les interprètes volontaires, parlez pas trop rapidement pour qu'ils puissent avoir le temps de vous traduire. Parfait. Aussi, une fois que vous avez fait votre présentation, je vous invite à aller au kiosque ici des initiatives à ma gauche pour remplir la fiche d'initiative qu'on va mettre dans le calendrier construit ici à votre droite. So after you presented your initiative and your action plan, I invite you to go see our initiative kiosk here to fill in the form and put it in our shared collective agenda that we are creating today. So, pour la prochaine, ça va être migration. Bonjour, ne vous inquiétez pas, plus 17 après-demain. Alors simplement, le statut du texte est une déclaration de l'Assemblée Convergence Migration, qui est l'issue évidemment du travail qui a eu lieu en atelier, des processus qui ont eu lieu également à Sao Paulo et de la réunion de ce matin. Je remercie la bienveillance, nous remercions la bienveillance et le respect des différentes organisations qui sont signataires de ce texte.
Je les cite rapidement. Association des Marocains victimes d'expulsion arbitraire d'Algérie, Attaque France, BIR, Duino, Kyrgyzstan, BU, Caritas Arménie, Caritas Liban, CCFD Terre Solidaire, CGT, CRID, Emmaüs International, Fédération Syndicale Unitaire France, Forum France Liberté, FNV, Immigration Développement Démocratie, International des Travailleurs du Bâtiment et du Bois, le Mouvement pour la Paix, Mouvement Utopia, Organisation pour une Citoyenneté Universelle, RACMI, Raquel Sulito, Éducation, Réseau Éducation Sans Frontières, Secours Catholique Caritas France, Secours Islamique France, UNIA, Union Syndicale Solidaire et Un Fonds Paix. Tout ça pour vous dire que le résultat ici n'a pas été facile à obtenir, surtout avec l'implication de l'ensemble de ces organisations. Simplement, en quelques mots, je vais vous lire donc ce texte-là, qui sera bien évidemment en ligne sur l'FSM dans les trois langues, sur le site du FSM dans les trois langues. Le combat pour les droits fondamentaux des personnes migrantes est plus que jamais d'actualité au moment où le repli sur soi et la fermeture des frontières s'intensifient dans de nombreux pays du monde. Les politiques répressives sont directement responsables chaque année de la mort de plusieurs dizaines de milliers de migrants et de migrantes. Nous dénonçons avec force la plus grande des inégalités, l'absence de liberté de circulation pour la grande majorité des citoyens du monde. Ici même à Montréal, le refus des visas par le gouvernement canadien pour certaines et certains participants, des centaines à ce forum social, en est une illustration flagrante. Face à cette situation insupportable, nous appelons les États, les citoyens, les associations, les collectivités locales à réagir et à proposer des alternatives. Nous appelons à soutenir les 11 axes de campagne suivants. Premier, assurer un accès universel aux droits fondamentaux, aux soins, à l'éducation, au travail, pour tous et toutes, migrants et non-migrants. Veiller à ce que chaque travailleur migrant bénéficie des mêmes droits que les travailleurs non-migrants. Le deuxième, qui est en lien avec celui-là, la ratification et l'application des textes internationaux assurant la protection du droit des travailleurs migrants et notamment la Convention de Genève de 1951, la Convention internationale du droit de tous les travailleurs migrants et, des membres de leur famille, la Convention relative au travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques, en application des recommandations pour les pays actuellement signataires. Et cette ambition devrait être particulièrement rendre effectif à la fois le droit au regroupement familial, mais aussi l'intégration. Troisième axe, important également, promouvoir un discours de vérité sur les migrants pour construire une approche positive des migrations. Combattre les idées reçues, combattre le racisme, combattre la discrimination. Mettre en place, par exemple, un site internet international qui permette à la fois de rendre visibles les drames, de rendre visibles les injustices, mais aussi de rendre visibles les réussites et les voies d'action. Quatrièmement, abolir au sein de l'Union européenne dans l'espace Schengen les contrôles temporaires aux frontières entre les pays qui visent à empêcher les migrants de se déplacer. Cinquièmement, respecter les obligations internationales à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés. Fermer définitivement les nouveaux centres de tri des personnes en transit, qu'on appelle les hotspots, qui sont une atteinte inacceptable à la Convention de Genève. Sixièmement, reprendre les conclusions, oui, du Forum social mondial migration de Sao Paulo qui s'est tenu il y a quelques semaines, et notamment l'appel à la construction d'une alliance entre mouvements sociaux et collectivités et autorités locales pour avancer vers une citoyenneté universelle et la construction d'une gouvernance alternative des migrations internationales. Septièmement, poursuivre la campagne pour la reconnaissance et la diffusion du passeport de citoyenneté universelle ainsi que celle pour la reconnaissance d'un nouveau traité international pour le droit des migrants. Huitièmement, ne pas conditionner l'aide au développement à l'adoption, évidemment, de politiques migratoires. Neuvièmement, prévenir la traite des migrants sous toutes ses formes, et particulièrement pour les enfants et pour les femmes. Engager les États à protéger le droit des victimes à travers, par exemple, l'examen périodique universel. L'avant-dernière, s'engager à prévenir et résoudre les conflits, combattre les violations des droits de l'homme, la pauvreté et le changement climatique, le dérèglement climatique, pour empêcher les déplacements forcés de populations. Et enfin, la dernière,
établir des voies légales et sûres pour tous les migrants et les migrantes, mettre en place notamment des corridors humanitaires pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et enfin, nous disons un calendrier d'action sera défini conjointement par l'ensemble des nombreuses organisations, et cette liste reste bien entendu ouverte, signataire, le 18 décembre, comme tous les 18 décembre, Journée internationale des migrants sera la pointe d'orgue de nos mobilisations dans les pays, mais également au niveau international. Merci encore à l'ensemble des participants de ce forum. Super, merci. Donc, toujours dans l'apprentissage, j'inviterai fortement les femmes aussi à prendre la parole ici pour représenter les assemblées de convergence. So I would invite women also to come and take this stage here to present their discussion circles and the Assembly of Convergence results. Thank you. Donc, pour la suite, on va avoir la campagne BDS, the BDS campaign, then militarization, peace and refugees, militarisation, paix et réfugiés, ensuite avec le nucléaire en partie. Ensuite, on va avoir aussi l'Assemblée de Convergence nucléaire aussi qui ont travaillé de leur côté, qui vont présenter quelque chose. Et pour la suite, ça va être des surprises. Donc, on laisse la parole à la campagne de l'Élysée. Alors, bonjour tout le monde. On va vous présenter maintenant le résultat du travail qui a été fait par le comité Octogéné Palestine Solidarité de du Forum Social Mondial. Puis, nous allons faire en français puis en anglais, d'accord? Alors, on va commencer. Ici, nous réaffirmons les droits inaliénables des Palestiniens et Palestiniennes, dont la fin de l'occupation, la fin de l'apartheid, le droit de retour pour les réfugiés palestiniens. Nous appelons à soutenir et s'engager activement dans la campagne BDS, campagne lancée par la société civile palestinienne. Nous rappelons le droit démocratique essentiel à appeler à BDS et à mener notre campagne BDS, et condamnant la criminalisation de BDS. Nous demandons aux mouvements sociaux de tous les pays de condamner ces attaques avec nous. Nous dénonçons les processus internes et externes qui ont conduit à l'exclusion du Forum social mondial de Montréal de très nombreux camarades venant du Sud, dont des Palestiniens et Palestiniennes. Alors, c'est ça. Nous demandons aux mouvements sociaux de tous les pays de condamner ces attaques avec nous. Nous dénonçons les processus internes et externes qui ont conduit à l'exclusion du Forum social de Montréal de très nombreux camarades venant du Sud, dont des Palestiniennes et des Palestiniens. Nous demandons à ce que le FSM ne se produise plus jamais dans un pays qui pratique des politiques racistes d'immigration et d'obtention des visas. Nous faisons partie des mouvements sociaux qui remettent en cause les structures démocratiques du FSM de Montréal, dont le Conseil international. Une restructuration est nécessaire de façon à permettre aux prochains forums sociaux de prendre des positions politiques, dont l'appui à la campagne BDS. Nous demandons au Forum social mondial de prendre toutes les mesures nécessaires de protéger tous les participants et participantes palestiniens menacés par Israël dû à leur association au mouvement de BDS à l'intérieur du Forum social mondial. Parmi les campagnes, nous soulignons la campagne d'embargo militaire contre l'État israélien et les entreprises partenaires de l'armée israélienne. Nous soulignons également les campagnes contre Airbnb et contre Remax qui proposent des logements à louer ou à vendre dans les colonies. Pour notre plan d'action, nous proposons les actions suivantes. Lancement de l'appel dont nous venons de lire au Forum social mondial. Coordination de la campagne BDS au niveau international avec le Comité national palestinien. Élargir nos liens avec les mouvements sociaux autour du monde. Échanger de l'information avec les mouvements sociaux partout à travers le monde. Et les encourager à soutenir le droit démocratique d'appeler à BDS. Encourager les mouvements sociaux d'inclure BDS dans leurs activités. Poursuivre le travail sur la campagne militaire d'embargo et les autres campagnes suggérées par le Comité national palestinien. Un appel à l'action auprès des élus, plus particulièrement les municipalités.
first one, we reaffirmed an inalienable right of the Palestinians, end of occupation, end of apartheid, right of return for the Palestinian refugees. We call for the support and active participation in the BDS campaign. Campaign called for by the Palestinian civil society. We reaffirm the essential democratic right to call for BDS and to carry out the campaign of BDS and condemn the criminalization of BDS. We ask the social movements of all countries to condemn those attacks on us. We denounce the international and external processes which led to the exclusive form of war, to the exclusion form from the World Social Forum of Mondial of a large number of comrades coming from the South, including Palestinians. We demand that the World Social Forum does not take place in an including in a country which practices racist immigration and visa policies. We are part of the social movement which posed questions about the democratic structure of the World Social Forum of Montreal, including the International Council. Structure changes are needed to permit the next World Social Forum to make political decisions such as support of the BDS campaign. We ask the World Social Forum to take all necessary measures to protect all Palestinians participants who are threatened by Israel as a result of their associations with the BDS movement during the FSM. Among the campaigns we would like to highlight are the military embargo against Israel and the campaigns which deal with the Israeli army. We emphasize also the campaign against Airbnb and against REMAX, which offer the rent of cell house in the settlements. The action launched the appeal to the World Social Forum. Coordination of BDS campaigns on an international level with the BNC. Expand our link with social movements all over the world. Exchange information with social movements around the world and encourage them to support the democratic right to engage in the BDS. Encourage social movement to include BDS issues in their activities. Continue to expand the military embargo campaign and other campaigns suggested by the BNC. A call to action with local elected officials, particularly municipalities. Thank you. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Merci beaucoup. Donc la prochaine sera, nos amis, de l'Assemblée de Convergence, Militarisation, Paix et Réfugiés. So our friends of this Convergence Assembly, Militarization, Peace and Refugees. So the challenge that is posed by the increasing military expenditure worldwide, the fact that the international community decided to take the challenge of international terrorism only through military action, which is the worst they could do, requires us to be very practical, and then we started by really sharing actions and events on which we converge. So the first one is on the 21st of September, the International Day of Peace, in which most of us will organize events. And then from the 22nd to the 24th of September, the third Iraqi Social Forum will take place in Baghdad. Thousands of activists along the Tigris River will explore possibilities to fight against Daesh and against the confessionalism of their government through peaceful means, through civil actions.
They want the international civil society to be with them. The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative will bring there an international delegation. Those who cared about the Iraqis in 2003 should care even more now, since they are at the forefront of the struggle against fundamentalism and terrorism and state violence. Then we had a series of national peace marches in Europe. On the 24th of September, 11 French towns will unite in a French march for peace. On the 30th of September, we have the beginning of the next big world event on peace, the International Peace Bureau World Congress in Berlin. The title is Disarm for a Climate of Peace. That's a very important international event in which we ask you to converge. On the 26th of September, there is an International Day for the Abolishment of Nuclear Weapons. And from the 24th to the 30th of October, an International Week for Disarmament, on which to organize actions. On the 8th of October, there is a German national demonstration against war and military expenditure before the German budget for military expenditure is decided. And on the 19th of October, the Italian National Peace March from Perugia to Assisi. On the 1st of November, a really important International Day of Action for Solidarity with Kobane and the struggle of the Kurdish people for autonomy and self-determination. Kobane in the north of Syria. On the 10th of December, International Day for Human Rights. Here as well, we need to add initiative on peace building to the human rights actions. On the 3rd and 4th of January in Belgium, a national peace march in Anvers. Then on the 26th and 27th of May, the G7 will organize their summit in Sicily. Sicily is of course a land where refugees, survivors, arrive from the sea. So the proposal is to organize a counter summit on refugee rights in Sicily at that moment during the G7 summit. And finally, in September, NATO will probably finish their new headquarters in Brussels, so they will have the annual NATO meeting in Brussels in September of next year. And at that moment, the anti-NATO campaigns, which are strongly present here as well, will organize the next international demonstration against NATO and to ask all countries to access NATO. Merci. Merci. Voilà le résumé de quelques propositions qui ont été faites lors des participants de notre assemblée. La première, c'est le soutien de la déclaration de l'autonomie kurde dans la partie nord de la Syrie, Rojava et le sud-est de la Turquie. Soutien de l'initiative de solidarité civile irakienne et la manifestation que l'on chaque vendredi à Bagdad contre la corruption et le confessionnalisme du gouvernement. La troisième, c'est le soutien de la paix en Syrie pour promouvoir le dialogue entre les différentes composantes de la société syrienne concernant les principes d'une future constitution, en plus d'un soutien aux ONG, les casques blancs, le Syrian White Helmet, en demandant fin de bombardement et protection du civil. La quatrième, c'est dénoncer l'accord de l'Union européenne et la Turquie relatif aux réfugiés. La cinquième, c'est une campagne contre l'installation des bases militaires. La sixième, c'est la campagne pour la libération de tous les prisonniers publics. Exemple au canon Ocalan, leader kurde, et la protection des défenseurs des droits humains dans les zones de conflit ont toute particularité donnée aux femmes et aux enfants. La septième, c'est campagne internationale pour dénoncer la situation des réfugiés dans les camps de Tindouf en Algérie, considérés séquestrés. Il y a demande de protection internationale et demande de recensement pour ces réfugiés, comme la facilité d'accès
de ces réfugiés à une, pièce, à une documentation, une pièce d'identité qui leur permettront d'un droit de mouvement. La dernière, c'est la campagne internationale pour revendiquer l'indemnisation aux victimes du Polisario selon le droit international. Ces victimes, qui sont des Mauritaniens, des Français, des Espagnols, Marocains, des Corrèches. Et voilà, merci. Merci. Donc, je rappellerai de nos intervenants aller au kiosque ici à ma gauche. Donc, là, pour présenter leurs initiatives. Donc, allez mettre au moins vos contacts pour qu'on puisse recevoir vos textes ou pour communiquer. So please go to the kiosk on my left. Once you finish the presentation, at least give us your contacts so we can put together all of these presentations online after the World Social Forum. Donc, nous poursuivons les présentations avec la prochaine sera sur le nucléaire, donc élimination. Donc, élimination du nucléaire et au-delà. So, elimination of nuclear weapons and... La question nucléaire. Bon, on va laisser... Nuclear power. Hey! Bonjour, Pierre Jasmin des Artistes pour la Paix. Je parle aussi au nom de Gordon Edwards, qui a fait beaucoup de travail, tout le travail sur cette déclaration. Et vous pouvez maintenant l'entendre de la bouche de Mme Stella Whitaker, le début de la déclaration. C'est une déclaration de Montréal pour un monde libéré de la pression nucléaire. Nous, citoyennes et citoyens de cette planète, aspirés par le deuxième forum social mondial thématique pour un monde sans fission nucléaire, qui s'est tenu à Montréal, là, du 8 ou 12 août 2016, nous faisons collectivement appel à une mobilisation mondiale dans le but d'obtenir l'élimination de toutes les armes nucléaires, de mettre fin à toutes les activités mondiales d'extraction d'uranium et de mettre un terme à la production massive, continuelle, de déchets nucléaires à haute intensité et en se débarrassant de tous les réacteurs nucléaires. Merci Stella. On s'est réuni une quarantaine de personnes depuis lundi matin à 9h. Donc on a commencé une journée avant la plupart d'entre vous avec une commémoration de Nagasaki. Et voici, nous allons faire pression sur tous les gouvernements pour abolir définitivement la fission nucléaire et nous allons prendre mutuellement conscience de notre responsabilité morale à ne pas accabler les générations futures avec un héritage nucléaire empoisonné. Quelques mots en anglais. This call goes out to fellow citizens of all countries worldwide who see the need, whether as an individual or as a member of an organization, for a nuclear fission-free world. We are committed to building a global network of citizens of the world who will work together using the internet and social media to overcome isolation, to provide mutual support, and to coordinate the launching of joint actions for a world free of nuclear fission technology, whether civilian or military. Vous pouvez... Merci. You can join us on the following address. It's ccnr@web.ca. CCNR pour Canadian Responsibility, Nuclear Responsibility, Canadian Citizens for Nuclear Responsibility, qui va centraliser les gens qui vont nous se joindre à nous de tous les continents et qui se sont déjà joints à nous l'an dernier avec le Symposium international sur l'uranium à Québec et qui a été beaucoup supporté, c'est un anglicisme, excusez-moi, mais par les groupes
autochtones du Québec, les Premières Nations, qui sont les plus au courant des dommages causés par, entre autres, l'extraction de l'uranium en Saskatchewan et avant dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, you can join us also on our website artistesporlapaix.org. Et je crois qu'on en a fini, même si... Ah oui, let's say the two objectives of this declaration is to promote and popularize the wide variety of renewable energy alternatives that are green and sustainable, and to launch lawsuits and to support whistleblowers to halt the most egregious examples of nuclear malfeasance. And of course, final, to denounce the illegal, immoral, and insane obsession with nuclear weapons arsenal all throughout the world. Merci. Merci beaucoup. Donc, je fais quelques petits rappels. Chaque intervenant, chaque groupe a 5 minutes, intervenants, intervenantes, ont 5 minutes pour faire leur présentation. S'il vous plaît, parlez doucement pour les interprètes chuchotés. So, just a quick reminder that every intervention has to be about around 5 minutes. And please speak slowly to give time to the interpreters to whisper the translation. Also, if you are going to translate yourself on stage, maybe say it in advance so they don't have to translate whispered. Donc, si vous allez vous-même vous traduire, interpréter sur scène, s'il vous plaît, dites-le en avance pour pas qu'ils aient à faire le travail en double. So, je rappelle, si vous avez besoin, if you need translation in English, we have interpreters, please put your hands up. Whisper translation, English. Si vous avez besoin de traduction en français, je crois qu'il y en a une quelque part, traduit en français. Non? Para espagnol, traduction quelque part. Here. So, espagnol, aquí, aquí. Ok, parfait. Portugais. Vers le français ici, English there, Spanish or Spanish, Portugais in front, so thank you for all your help. Merci pour toute votre aide, pour ça c'est une belle expérience d'autogestion collective. Donc, on continue avec droit au logement, à la ville et à la terre. So right to housing, to the city and to the land. Do we have someone from this Assembly of Convergence? Ok, so, est-ce que quelqu'un qui a été à l'Assemblée de Convergence, droit au logement organisé par le CRACRU ici, pour faire le rapport? Is somebody who went to the right to housing, the city and the land organized by the CRACRU is here today to make a report? No. So if you have someone... Ok, small one. Bonjour tout le monde, j'ai participé à l'Assemblée de Convergence sur le droit à l'habitat, au logement et à la ville qui a eu lieu en deux parties, le mercredi et le jeudi. Je ne pensais pas prendre la parole, je n'ai pas pris des notes, il y a toutes sortes de notes qui ont été prises. Moi, je venais écouter le rapport qui a été rendu. Seule chose que je vais dire, c'est qu'il y a des propositions qui ont été faites, notamment de déclarer le mois d'octobre comme convergence sociale mondiale pour le droit à l'habitat, notamment dans le contexte de l'organisation de la grande conférence d'Habitat 3 qui va avoir lieu à Quito et une conférence de l'ONU qui va se tenir, qui va adopter le nouvel agenda urbain. Et c'est un processus de consultation qui a été un peu bâclé selon les organisations qui étaient présentes à l'Assemblée de Convergence. Donc, l'ensemble des organisations qui étaient présentes, certaines locales québécoises, des organisations américaines, organisations internationales comme International Habitat Coalition et le réseau Novox étaient là.
Bon, je ne résumerai pas tout, mais ce qui a été dit, c'est qu'il y a un calendrier de l'ensemble des organisations qui va être partagé. Et un ensemble d'actions locales et internationales vont être prises durant le mois d'octobre et notamment durant la journée de l'habitat, qui est en octobre aussi, pour manifester pour le droit au logement et de lancer un ensemble d'appels à la solidarité pour certaines causes, certaines évictions, certains déguerpissements sont organisés, qui ont eu lieu aussi à différents endroits. Je ne résume pas tout. Bon, il y a des notes qui ont été prises, vont être éventuellement partagées, mais grosso modo, c'est ça qui a été proposé à l'Assemblée de convergence sur le droit à l'habitat, au logement et à la ville. Merci beaucoup. Thank you very much. Des rappels, donc je vais les faire. Premièrement, je rappelle qu'ici, c'est une tente où on privilégie l'écoute plus que la discussion entre vous, parce que c'est difficile de parler quand il y a un son ambiant comme ça dans la salle, donc essayez de ne pas parler quand les gens présentent, à part pour la traduction, bien sûr. Si vous voulez parler, je vous inviterai à aller à l'autre tente qui reste ouverte pour les échanges de travail. So, please, quiet down while people are speaking. It's hard to speak when you hear a noise in the room. So please just let the whisper translator translate and the speaker speak so we can be able to go move forward. Okay, so we just have the representation of the housing convergence arrived, so we will let her speak. Je vais laisser Emily parler de la convergence au droit au logement. Désolée, on était perdus. Alors, j'inviterai mon camarade Massa Kony du Mali, qui est représentant de la délégation de nos votes avec moi. Bonjour, je m'appelle Émilie Jolie, je travaille au FRAPRU ici à Montréal, au Québec. Et avec Massa, on va vous faire la déclaration de l'appel qui a été lancé par l'Assemblée de convergence des habitants pour le droit à l'habitat, au logement, à habiter la ville et le droit à la terre. Moi, je remercie tout le monde. Et comme l'a dit Émilie, nous sommes deux à représenter, à faire le compte-rendu de ce qui est sorti de notre atelier de convergence pour le droit à l'habitat, au logement et à la terre. Et tenu le mercredi 10 et jeudi 11 août 2016 à l'ICAN, Attendu le droit à un espace accessible et abordable où chacun puisse vivre en sécurité, dans la paix, dans la dignité et dans le droit au logement adéquat et à l'habitat. Attendu les menaces de la privatisation, de la marchandisation, de la spéculation et de la financiarisation immobilière et foncière de l'habitat, du foncier et de la terre. Attendu les conséquences désastres des évictions, expulsions, déguerpissements. Attendu les conséquences désastreuses des évictions, expulsions, déguerpissements, déplacements forcés, notamment lors des grands projets et des événements internationaux. Attendu l'opération sociale, la gentrification, la relégation urbaine, suivi par les populations à faible revenu. Donc ça, c'est une première partie. Je donne à Émilie qui va parler de l'appel. Alors, pour l'appel à l'action en tant que tel, l'Assemblée de convergence sur le droit à l'habitat, au logement, à habiter la ville et le droit à la terre, tenu dans le cadre du Forum social mondial 2016, appelle à une grande convergence des luttes tout le long du mois d'octobre 2016, dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat du 3 octobre, du Forum des résistances et des alternatives face à Habitat 3 de l'ONU qui se tiendra à Quito du 15 au 20 octobre et de la rencontre du marché international des professionnels de l'immobilier, le MIPIM, qui se tiendra à Londres du 19 au 21 octobre. Les trois grands réseaux internationaux, NOVA, la Coalition internationale Habitat et l'Alliance internationale des habitants, s'engagent à publiciser et visibiliser le calendrier des activités et des actions.
L'Assemblée convergente sur le droit à l'habitat, au logement, à habiter la ville et le droit à la terre s'engage aussi à se positionner en solidarité avec les évacués et réfugiés de Fukushima au Japon, dénonce les changements de standards quant à la radiation en violation de la santé et de la sécurité des habitants et habitantes, exige leur relocalisation et leur indemnisation, s'engage à faire circuler la pétition internationale d'appui et s'engage à une action de solidarité dont la date est à venir. Dénonce l'évision violente et illégale de la coopérative sur Généreux, un espace de vie communautaire et alternative situé à Montréal, au Québec, et exige leur réintégration dans les lieux, en sachant que cette expulsion est symbolique de toutes les évictions partout à travers le monde. Appel à la solidarité et à la mobilisation en soutien au sommet alternatif qui se tiendra du 12 au 15 janvier 2017, en parallèle au sommet France-Afrique du 14 au 17 janvier à Bamako, au Mali, et dénonce les évictions et décarpissements causés par l'organisation du sommet France-Afrique et appelle à la mobilisation pour dénoncer la marchandisation, spécialisation de l'habitat et de la terre. Appel à la mobilisation contre la rencontre du marché international des professionnels de l'immobilier qui se tiendra aussi à Cannes, en France, en mars 2017. Finalement, l'Assemblée de convergence sur le droit à l'habitat, au logement, à habiter la ville et le droit à la terre, tenue dans le cadre du Forum social mondial, dénonce les refus de visa pour les invités et participants de l'extérieur du Canada et se positionne fermement pour une meilleure accessibilité au Forum social mondial en dénonçant, entre autres, les cas d'exclusion sur la base économique. Je vais faire un petit intermède. J'ai réalisé pendant que je vous écoutais que je ne me suis pas présentée. Je me suis dit, c'est la moindre des choses, me présenter que j'avais un truc. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah Sultani. Je suis impliquée dans le collectif d'organisation du Forum social mondial 2016. Donc, un collectif qui est presque entièrement bénévole. Donc, vraiment des gens qui ont travaillé de façon acharnée depuis près de 3 ans pour créer cet espace qu'on voulait mettre en place ici au Québec, au Canada, à Montréal, pour essayer de se réunir tous et toutes et réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on peut réellement changer le monde et passer à l'action. Donc voilà. Hi everyone, my name is Sarah. So maybe I applaud for all the volunteers here everywhere that are working for a year or 2 years. As I said, it was an experience for a lot of people in this collective to work in a very beautiful way, in a self-managed way, a horizontal way, a transparent way, a way that's open, inclusive, a way that's independent. Donc ça a été une expérience assez extraordinaire pour beaucoup de gens de s'apprendre à s'organiser autrement, de façon horizontale, transparente, autogérée, indépendante, ouverte et inclusive. Et je crois qu'on en ressort tous et toutes très grandis de cet apprentissage, de cette grande école qui est le Forum social mondial 2016. Donc c'est ça. Donc je vais juste partager ce petit moment avec vous. Ensuite, nous allons passer aux prochaines interventions. We will go to the next one. So, we are at now dynamique d'extension FSM 2016, expérience et perspective. Ensuite, il y aura économie alternative. Ensuite, désarmer la finance et atteindre la justice fiscale, commerce équitable, ensuite, et extractivisme, libre-échange et pouvoir multinational, donc beaucoup de contenu. So we have Dynamic of Extension, FSM 2016, Experiences and Perspective, Alternative Economies, Disarm the Finance and Update Tax Justice, Fair Trade, and then Extractivism, and power of transnationals. So I will leave you to Pierre Georges and Edith. Sometimes the volume is low, you might have to try to hide the mixer volume. Bonjour. Hello. À l'occasion du Forum mondial,
comité organisateur, le collectif organisateur, a décidé d'étendre l'événement Montréal qui se termine maintenant, 9, 10, 11, 12 août, 13 août, 14 demain, si on compte le retour vers le futur. Il a décidé de l'étendre dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on a lancé une invitation à toutes les organisations qui s'identifient comme participantes au processus du forum, où qu'elles se trouvent dans le monde, de répondre à l'invitation à participer, aussi en organisant des activités dans leur pays. WSF Organizing Collective has taken a big decision in December, which was to extend the Social Forum event of Montreal, which is only 5 days, 9 and 14th August, and to circulate an invitation to any organization worldwide who wanted to show its involvement in the WSF process, wherever it was in the world, to participate by placing activities locally in their own country. So, cet appel a été entendu d'une manière significative puisque à la date d'aujourd'hui, et ça va continuer jusqu'au 31 décembre, on a 198 activités qui se sont placées dans le processus du forum sans être à Montréal. This call has been heard because up to now, since January the 1st, we have 198 activities in 35 countries who have placed themselves in the WSF process 2016. These were local meetings, activist meetings, little social forums, training sessions, all kinds of dialogic sessions that you can find the equivalent in the forum here. C'était des activités de type réunion publique, atelier, journée de formation, les mêmes genres d'activités qu'on trouve au forum. Cela nous a amené à réfléchir en disant comment valoriser cette dynamique d'extension qui commence à être significative. Et donc, on a fait une déclaration qui va être circulée. Je vais vous donner la liste des premiers signataires. Et vous pouvez, en tant qu'organisation, la signer pour montrer votre implication dans la dynamique d'extension qui n'est pas terminée. C'est-à-dire que vous pouvez continuer la dynamique du FSM 2016 jusqu'au 31 décembre en plaçant des activités que vous allez faire dans votre pays ou dans votre région en revenant de Montréal. The extension dynamic is not over. It's going on till the end of the year, and you, when returning back home in your region or country, you can participate in these dynamics, placing activities like, for instance, return from Montreal meeting, where you will circulate ideas that your experience in Montreal in the extension dynamic. So we have made an assembly, and there was a declaration which has been prepared supporting the idea of extension dynamics, because the idea is that each social forum event can decide to extend the same way Montreal Organizing Committee has done. La déclaration, elle soutient l'idée que chaque événement forum social peut s'étendre de la même manière que le collectif organisateur a décidé cette extension. C'est d'abord un processus politique. Et ensuite, c'est quelque chose de mise en œuvre de manière organisationnelle et technique pour utiliser Internet, mais avec des solutions très simples. Les volontaires de l'équipe extension ont vu que ce n'était pas compliqué. So, it's a process which is first political to decide to extend the event. Then there is organizational and then some technique with Internet. But with widely used tools, and it's not complicated. Once you do it, you realize it's not complicated. So Edith and myself will read the declaration, a part of the declaration in French and part in English, not to be too long. D'accord?
Donc, les chuchoteurs, préparez-vous parce que cette partie-là va être faite une partie en français, une partie en anglais. On ne se traduira pas nous-mêmes. Donc, je vais commencer en français. Puis, we will do a part in French and a part in English. So, translator, you have to be ready because we don't translate ourselves for the rest of the presentation. OK. Donc, on Mais là, tu me l'as donné en espagnol. Sorry, I have some Spanish in my sheet. I'm not very good in Spanish. OK. Podemos leerlo en español también. OK. OK, on y va par contre parce qu'on a déjà dépassé notre 5 minutes. Donc, nous considérons comme instance participante au processus FSM tel que décrit par Sacha et les principes guides pour l'organisation d'un événement FSM. Considérons qu'un autre monde est possible, nécessaire et urgent, et que dans des contextes internationaux et nationaux, des crises multiformes, les citoyens du monde et leurs multiples organisations ont tout intérêt à développer le processus FSM comme un outil stratégique d'intercommunication et d'autonomie pour leurs organisations. As a means for deepening an expansion of WSF process, we give great, this is for to be signed by organization, right? We give great importance to extension dynamics, sets of participation practices in and around the social forum event, accessible from where WSF participants live and act on a day-to-day basis towards another possible world. Using internet as a means of remote communication. En développant les activités décentralisées et les pratiques de participation à distance dans les activités tenues à l'occasion d'un événement forum, nous pouvons échanger plus fréquemment et intimement entre personnes et entre organisations pour envisager ensemble les multiples aspects de cet autre monde et les moyens de coopérer pour le construire dans des luttes et des projets, et nous pouvons passer par-dessus les murs et contraintes économiques, médiatiques et politiques auxquelles nous nous heurtons souvent lorsque nous voulons nous rapprocher. Nous avons pris en compte l'appel du Conseil international à participer au FSM 2016 qui mentionne explicitement l'extension et les expériences de contribution à la dynamique d'extension développée par le collectif FSM 2016 avec plus de 250 activités incluses. De aquí a finales de año, como parte del proceso FSM en 2016, nos comprometimos a colocar al menos una actividad en la dinámica de extensión FSM 2016, a contribuir desde su lugar de residencia habitual en la dinámica de FSM 2016, continuando hasta finales de 2016, especialmente colocando reuniones en su país, en nuestros países, para difundir información sobre lo que ocurrió en Montreal. Apoyamos la acción del colectivo de la extensión del foro social para contribuir a esas dinámicas de extensión como se describe en su documento fundador, y deseamos que este colectivo nos informe dos veces al año de su plan de trabajo y tenemos intención de compartir nuestras posibles observaciones. Nous invitons les organisateurs d'événements, forums sociaux de taille significative à partir de 10 activités autogérées se tenant au même endroit, par exemple, à étendre leurs événements. Plus l'événement est d'échelle large, plus son extension est pertinente et peut être amplifiée dans l'espace, mais aussi dans le temps, servant de moyens de continuité et de liaison inter-événements pour le processus FSM dans son ensemble. Nous incitons les membres de nos organisations à participer individuellement dans les dynamiques d'extension des événements forums sociaux les concernant dans le calendrier FSM, à y placer en cohérence avec nos processus de décision interne des activités dialogue entre nous, en notre nom et à s'engager dans les équipes qui vont appuyer et faciliter cette dynamique. We are committed to placing at least one activity in the regional and thematic forums relevant to us, and of course in World Forum to come.
This insofar as these events are extended by their respective organization committees, which we hope will become systematic practice. Nous comprenons que, qu'avec un dispositif technique simple mis en œuvre avec une ou deux personnes, nous pouvons placer une réunion semi-publique organisée localement par nous seuls ou avec d'autres organisations en relation avec nos thèmes d'action comme une activité visible dans le processus FSM et ouverte à la participation internationale. Nous suggérons que le Conseil international du FSM continue à promouvoir dans son agenda de facilitation du processus FSM le développement des dynamiques d'expansion des événements forums sociaux et nous sommes intéressés à examiner et appliquer les suggestions qui seront faites à ce sujet. En el próximo evento FSM tenemos la intención de participar en cercanía o desde lejos a una asamblea de convergencia sobre el tema de la dinámica de extensión para hacer un balance de los avances en las prácticas de extensión del proceso FSM. De ahí habrá un formulario para firmar que estará disponible en línea a través de la iniciativa que se está colocando en el sitio web. Y je vais terminer en donnant la liste des premiers signataires de cette assemblée. Alors, si, vous allez voir pourquoi je vais le faire. C'est Africa Cameroun. Visa refusé. Crugne Haïti. Visa refusé. Faces do Brasil. Rose está aqui. Pran Bangladesh. Visa refusé. Prong Guinée. Ils n'ont pas fait de demande de venir, mais ils ont fait beaucoup d'activités à distance. Saded Népal. Visa refusé. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Donc un petit rappel de temps. On s'est donné 5 minutes juste pour avoir le temps de donner la place à tout le monde. En fait, il y a des gens qui veulent présenter les assemblées de convergence, mais il y a aussi, on veut laisser de la place aussi aux autres initiatives qui ne sont pas nécessairement associées à une assemblée de convergence. Donc s'il vous plaît, respectez le 5 minutes qu'on vous a donné, même si c'est difficile, un exercice de concision. Donc, please respect the 5-minute time we gave you. I don't want to be very directive, but just to have time to have to listen to everyone and have time at the end for all other initiatives that do not necessarily were discussed in an SMBF convergence. Thank you. So, on va continuer avec économie alternative. We will continue with alternative economies. Is someone here to report? Est-ce qu'il y a un rapporteur ici? Yeah, here she is. Hi, my name is Caroline, and I was invited here today by somebody called Bruce from Sensorica. Sensorica is about finding ways to release what we have to bring to building systems which enable us to unite and building tools that can then be scaled throughout the world. So MOVE stands for Moving Open Value Economics. Thank you. So today's society, the economy that we live in, only empowers the very wealthiest among us. And it works in closed systems. It doesn't enable us to give what it is that's unique about us. Convergence is a whole, it's chaotic, and that's a good thing, because we can create abundance. The more we release what we have to give, the more abundant a society we can create. So what are the issues? What's wrong? There are so many of us working on these solutions for serving economies that aren't yet met. So what's the problem? So there are two key problems. One is investment, and one is communication. Most, 80% of people live on less than $5,000 a year. I don't know many people like that. We're not communicating with these markets.
So innovators need to have bridges. They need to connect to the people on the ground. And investment. The returns on capital are not just about profit anymore. It's profit in terms of profit to the environment and profit to us as people. How can we measure that? Investors, there's trillions of dollars of impact investment out there. Investors need to be able to mitigate the risk in investing in new economy solutions. We can't give them the traditional returns, so how about we give them returns in data analysis? Data analysis through communication, through conversations between us and people who we are wishing to serve. So based on that, we spent this week to do a pilot project based in Birkenhead in South Africa to bring a team of people together to see how we could contribute in creating a proposal that would be supported by the i3 Co-op and the communications platform that the team had to offer called the Citizens Media. Okay, thank you. So, on Wednesday we converged and we connected with a community in South Africa, Kibetu Moswani, and also with somebody called Warren De Brooke, who's part of the team as My Arms Wide Open, who's working on projects already in this community. We spent the first 40 minutes to an hour maybe just purely asking questions about what was going on in their communities. And then we started to discuss solutions that we thought we could offer that would overcome those problems. The main issue came up at the moment was water. They're working with Engineers Without Borders to dig some wells. They've got huge issues because of prolonged drought, because of climate change and so on. There were a permaculture project called PodNet, who's got solutions around an agropod, which you may have seen the bubble machine in one of the booths at the back. If not, then go check it out. But innovations for creating water through transpiration processes. So anyway, there was also, we have P3 permaculture project. Again, somebody who's very used to working with people within the communities, doing workshops and so on, and going in there as one of them to really employ the locals within the project. And then we, another initiative called United Alliance. United Alliances have got an excellent framework for looking at the different levels of governance that exist in the world today and connecting that with the core needs societies have. And that would enable the co-op to strategize about how it can prioritize its investments. It can help connect innovations with serving these needs and how we can create leverage through government systems and so on. And then there was another initiative called Plenty for All, which is essentially a business model. So we discussed the idea of using a community cooperative type business model that could be then supported by the investment co-op. So all these things are possible. There was the final initiative called Direct Democracy. Direct Democracy is about getting people to realize that they have the ability to take the voice back for themselves. I believe she said 70% of the need to petition, 70% of Canadians sign it, then democracy goes to the people. And we discussed how there are so many tools out there that give people the democracy, the power to actually figure out transportation systems that work. So what are we doing next? We're going to, from the input that we got from the workshop and the convergence the following day, we're going to create a proposal, and we're going to use that as the pilot project proposal for the i3 Co-op, which is connected as well with P2P Foundation. One of the founding directors of the i3 Co-op is Michelle Bowers. So we're very excited about what will come of that, and we look forward to reporting it to you, hopefully next year at the summit. Thank you. So, thank you. Now we're going to go with the Merci. Maintenant, on va aller avec désarmer la finance et atteindre la justice fiscale, disarm finance and
obtain tax justice. Is anyone here to represent? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui représente cette assemblée de convergence? Il semblerait que oui. Hi, Mr. Ricardo. Is Ricardo here? He has the notes, but I will. Sorry. Thank you. There are a whole group. I will just speak in English. Some of the proposals that came was a campaign louder to ask the World Social Forum to support a campaign to force multinationals to divulge their earnings in each country rather than as a whole, because there are a lot of tax havens. For example, two employees in a country and the salaries are $2 million. Something's wrong. To support a campaign that politicians need to declare their money in overseas banks. This is already starting to happen in Spain. A proposal to push the United Nations General Assembly to adopt a resolution that tax havens are illegal, not just immoral, they're strictly illegal. And to support the radically change the Trans-Pacific and other type partnerships that allow companies to have power over countries. In the United States, we've been sued because we're blocking Canada's oil companies because we canceled the Keystone Pipeline, for example. The other was working around with tax havens, mentioning that Oxfam is also working on this. And one suggestion was a nonviolent direct action, which is, we'll be happy to pay our taxes as soon as the rich corporations pay their taxes, we'll pay ours. And basically a delay until a movement probably in April of next year around tax time to support that. A few other things surely was to eliminate the total banking concept, because that allows a bank to do just about everything, to break up the 12 major banks that control 80% of the money, and encouraging the revival of local public banks. The Bank of North Dakota in the United States is a great example. Even the state of North Dakota puts its money in a public bank. I've got about 2 minutes left. Encouraging Action Aid is one of the groups there. They encourage consumers to not buy materials from companies who don't pay their taxes, either in their home company or in their other companies that they do business in. And the World Social Forum can help with this. It was mentioned to have an international day for fiscal responsibility, meaning making people pay up. And we were thinking either April 8th or 9th, or April 22nd, 23rd, which is Earth Day. And lastly is to either levy a tax, which is probably the easiest way, on the super high frequency Wall Street transactions, because if they pay 25 cents 1,000 times a minute, I'm sure they'd have enough money for everything. Thank you. Alors, je vais vous rappeler l'objectif de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc ici, on présente les actions, les initiatives, les campagnes qui ont émergé pendant la semaine du Forum social mondial, spécifiquement à travers les assemblées de convergence et les cercles de discussion qu'il y a eu aujourd'hui, dans le but que
chacun d'entre vous ici s'engager sur une de ces actions, de ces campagnes, de ces initiatives qui vont être affichées sur ce mur de façon symbolique aujourd'hui, mais qu'on va mettre en ligne sur notre site web fsm2016.org dès la semaine prochaine. So I will just remind you what is the objective here today. So we are listening to the initiatives, the actions, the campaigns, the ideas of all the groups that have worked together during the World Social Forum 2016 in the assemblies of convergence and during the discussion circles we had this morning. And the goal of listening to all of this is for you all here to commit to one of these campaigns, actions, initiatives, so we can collectively change the world and make it a better and more just place to live in. All the initiatives will be available on our website on www.fsm2016.org after the forum, once we have slept a little bit. So, pour la prochaine, on va aller avec Commerce Équitable.